Et salut salut Bienvenue sur Another Homepage. Et pour commencer, on va saluer Koulick et Xavier, ainsi qu'Adrien. Bonjour à tous les trois, bonsoir plutôt à tous les trois, hein, puisqu'il est presque 6h30. Salut à toi Emmanuel, j'espère que ça va. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, en tout cas meilleur que moi euh, durant les, les dernières, euh, on va dire les dernières 90 minutes. Euh, je démarre un peu tard aujourd'hui, euh, because astreinte. J'ose espérer que je ne serai pas coupé euh, dans le stream et, euh, et qu'on euh, pourra y aller tranquillou. Ça va être un stream un peu light, vu que je démarre plus tard. A euh, la base, il y a deux semaines, euh, j'espérais vous, euh, vous faire un stream euh, revisiter Cozy Cloud. Euh, la semaine dernière, j'étais un peu fatigué, euh, donc euh, j'ai annulé. Et cette semaine, euh, celles et ceux qui sont sur le Discord savent que, voilà, à la base, je ne pensais pas que je ferais un stream vu l'heure à laquelle j'étais encore en, au boulot. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, en gros, euh, gros j'ai réussi, réussi à trouver un truc qui normalement devrait, euh, devrait tenir euh, au moins jusqu'à demain, euh, jusqu demain pour pouvoir ensuite euh, avoir un peu plus de, de latitude pour, pour avancer. Collègue d'astreinte, moi ça se termine demain à 8h. Euh, alors, moi, euh, vu que je suis en cours demain après-midi, normalement je refile à quelqu'un. Et, euh, et je, je termine normalement mercredi midi. Généralement, nous on les fait du mercredi au mercredi, euh, sauf. Euh, voilà. Et après, on, on s'arrange quand il y a des besoins. Mais euh, Mais après, chacun, chacun son orga. Demain à 8h, ouais, c'est sympa. Tu, sais, tu termines le week-end sur, sur un. Quand tu termines l'astreinte un week-end, c'est un, un genre. Enfin bon, bref. Toujours est-il que, euh, histoire de pas trop se prendre la tête aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait, euh, qu allait continuer le labas code. Euh, je vais essayer de faire des trucs relativement simples, je pense. Donc, pour rappel, euh, l'idée c'est de pouvoir déployer un certain nombre de machines virtuelles de façon assez, euh, assez simple via, euh, via du Terraform sur, euh, sur un home lab Linux Live Virt. Et, euh, et, de pouvoir, euh, et de pouvoir être assez flexible sur la distrib ou les distrib qu'on veut euh, qu'on veut, qu veut déployer c'est-à-dire euh, par exemple si je veux euh, 5 euh, Ubuntu, 10 euh, Alpine et 7 euh, Fedora, ben, euh, j'indique euh, que j'en veux voilà, tant, tant de cette taille-là et que je veux qu'elles aient 2 VCPU et 4 GB de RAM pour les, euh, pour les Fedora, un VCPU 512 MB de RAM pour les, euh, pour les Alpine par exemple, et ben, comme ça c'est possible, on peut moduler. Euh... Oh, ah ben, c'est gentil ça, merci. Euh... Alors, on va, y aller, euh... on va y aller par ordre. Euh, merci Pantipandarou de passer dans le coin. Euh, merci Chaos pour le raid, ça fait très plaisir. Euh, et euh, hello de fait à Bratum et Max, ainsi que Cave 35. Euh, alors, où en sommes-nous dans notre truc Alors, je suis complètement à la ramasse, vu que j'ai tout lancé un peu au dernier moment. Donc, ce que je vous propose, euh, en plus de euh, faire un petit out à l'ami Chaos, parce que quand même... J'espère que vous êtes bien amusé avec Chaos. Tac. Euh, je sais pas ce que vous êtes allé faire, vu que moi, du coup, j'ai même pas vu quest ce que faisait Chaos vu que j'étais occupé au boulot. Euh... Et, et euh... les vieux merci. Euh, salut à toi aussi. Euh... Cool Geek qui a essayé quelque chose la semaine dernière. Il a mis Proxmox dans une VM Livière sur son PC. Ouais. Ça s'est pas bien passé. Ah mince, t'as voulu faire un template de VM dans le Proxmox. Des perfs catastrophiques et des OOM de la VM hébergeant le Proxmox lorsque j'ai voulu cloner le template. Ouch. Ouch. Et vous avez fait de l'ozint et euh, chez, euh, chez euh, Chaos. Ah bah ça devait être sympa. Ça devait être sympa. Euh... J'espère que vous n'avez pas trouvé où j'habite. <laughs> <laughs> n'y allez pas s'il vous plaît, n'essayez, pas. <laughs> n'essayez pas. Euh... Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer hop, sur cette vue. Euh... J'ai même pas lancé... Alors qu'est-ce que j'ai fait de mon... Qu'est-ce que j'ai fait de mon euh... euh... Qu'est-ce que c'est celui-ci Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà, hop. Tac. Hop, il y a lui. Avec. Donc là, je me connecte sur le Home Lab. Salut à toi, Lapin Féroce. Comme d'habitude, oui, Administrative Access. Euh, les VM, normalement, celles de base, sont démarrées. Voilà, la tête d'infra est démarrée. Et si là, là, je suis dans Terraform, je fais un Terraform. Euh, ouais, plane. Allez, tac. C'était sympa, on n'a pas trouvé, rassure-toi, mais on a coincé sur une photo. Ok. Et donc, normalement, bah, on a des trucs qui sont ne sont pas running et qui vont l'être. Donc, on va apply. Yes. Ding dong. <laughs> euh, alors, euh, Cool Geek, juste petite question par rapport à ton message. Euh, je me pose une question. Tu devrais faire gaffe, ton armoire, est, ton armoire en point est visible sur Google Maps. <laughs> J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, je suis en train de me dire, Cool Geek, tu as activé la. Euh, la... Comment dire La la virtualisation imbriquée, la nested virtualisation dans, euh, dans virtes. Parce que ce que je me dis, c'est que Perf catastrophique et oum Ah non, remarque, non, il t'aurait carrément dit, euh, il t'aurait carrément dit, va te faire voir, j'ai pas, pas, euh, pas les instructions de virtualisation. Je n'ai jamais essayé Pulumi, Max. Jamais. Euh... Et je t'avoue qu'aujourd'hui, euh, là, dans l'immédiat, si je devais euh, remplacer Terraform, ce serait plutôt par OpenTofu. Donc ça resterait dans les mêmes, euh, dans les mêmes trucs. Mais, euh, mais ce serait plutôt, euh, plutôt sur OpenTofu j'ai pas encore euh, ça pourrait être une idée dans un live en hein, d'essayer de, de migrer euh, mon labascode en OpenTofu et en, en gros c'est très simple hein, c'est remplacer, euh, remplacer la commande par Terraform euh, par par OpenTofu et, euh, et, euh, et ensuite voir qu'est-ce qui casse parce que bien entendu il y a il euh, y a des trucs euh, alors il y a des trucs qui doivent, euh, comment dire, qui doivent. Euh... Je crois, je crois qu'il y a quelques trucs que ils ont dit non, mais euh, c'était déjà entre guillemets euh, obsolète. Donc nous on l'enlève carrément et, euh, et dans ce cas-là euh, il y a des erreurs. Euh, S mode pipe grep qui euh, KVM, tac tac KVM, euh, etc mode euh, mode point Voilà. Euh, bah moi, typiquement, tu vois, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas activé. La dernière fois que j'ai réinstallé ma machine, je ne l'ai pas activé. Euh, donc, tu peux, tu peux essayer de jeter un œil pour voir si, euh, si tu as le nested égal, égal 1 sur... Euh... Mais voilà, j'ai juste moi qui avais un Intel, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse voir les options. Mais moi, d'habitude, je prends la peine de l'activer. Euh... Là, la dernière fois que j'ai réinstallé, visiblement, euh, j'ai zappé. J'ai zappé. Euh... J'ai vu une super conf il n'y a pas longtemps sur Poulumi. Il y a une commande si Poulumi Converter à forme. Je mets le lien dans Discord. Ok. Ouais. Ok. Pourquoi pas. Euh... Alors, euh, où est-ce qu'on en est, moi euh, Si je me fais un petit euh, guide show là. On a quoi On a Fedora, Debian, Alpine, ArchiNux. Gentoo marche pas, Clear Linux marche pas, on a FreeBSD, DragonflyBSD, Dragonfly euh, BSD, NetBSD, Cloudinit broken, OpenBSD, St ah oui, CentOS Stream en tiré à pas en 10, parce que euh, parce que il nous manque le jeu d'instruction avec 2 je crois, et je vous demande deux petites minutes, euh, et je vais faire euh, tac. Et me revoilà le temps que je me mouche. Euh, donc, ce que je suis en train de me dire, c'est que comme moi, j'ai envie d'un stream un peu détente entre guillemets aujourd'hui, euh, histoire de, euh, de, comment dire, de passer un truc plus sympa que toute la frustration que j'ai eue un peu là. Euh, je vais commencer, je pense, par faire de l'Ubuntu. Et ensuite, selon le temps qui me reste, peut-être que je ferai des clones de RHL. Euh, et histoire de ne pas avoir de jaloux, je pense que je mettrais euh, de l'Alpine... Du... Enfin, pas de l'Alpine, de l'Alma, du Rocky, euh, de l'Oracle, là. La... Voir même si jamais il y a des images RHEL. Euh... <laughs> non, pas Ubuntu <laughs> Écoute, honnêtement, je pense qu'il y a de quoi contenter tout le monde. Enfin, j'ai même mis Arch Linux, quoi À un moment... Euh... <laughs> Donc, euh, après... Euh... Après, honnêtement, je pense que Ubuntu, ça devrait aller vite, hein, parce qu'à mon avis... Euh... Enfin, c'est une Debian plus récente. Hein. Vous, vous, vous savez ce qu'on dit hein, euh, euh, Ubuntu, c'est un, un, un ancien mot africain qui dit je ne sais pas installer Debian. <laughs> c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant, euh, c'est méchant. C'est méchant mais ça me fait rire. Euh, alors 4, 6 modules. Ah tiens, c'est intéressant ça. Euh, c'est intéressant, je vais juste jeter je un œil parce que ça m'intéresse. 4, 6 module KVM. Alors du coup, KVM Intel, parameters nested. Ah mais attends, il serait par défaut Il serait par défaut maintenant Ou c'est juste, j'ai... Euh, comment dire Ou c'est juste, l'option existe. C'est vilain mais pas totalement faux. Oh, Kali est un ancien mot africain qui veut dire j'essaye de passer pour un pro de la Sécu. Oh, Manu, Manu! <laughs> Regarde dans paramètres, j'ai des paramètres. Ah, t'as des paramètres à ah, nous. Ah, ok. Euh... Hop. Ah. Hop là. Euh... Oh, punaise, il y en a des options. Il y en a des options, dis donc. Je n'ai pas la moindre idée de tout ce que tout ça veut dire. Mais... Unrestricted Guest. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ah, Il est à Yes en plus. Euh, VPID, tiens, c'est quoi ça Bon, de toute façon, ça doit être documenté quelque part. Le nested early check est à N chez moi. Nested early check. Euh, bah, il est à N aussi. Ok. Je croyais que Kali, ça voulait dire balex si ça tourne en route. Il <laughs> y a des, des frustrés de chez Kali Linux ici. <laughs> oh là là. Euh... Non, en vrai, en vrai, honnêtement, euh, j'ai déjà fait joujou un petit peu avec Kali Linux. D'ailleurs, on en avait installé une. On avait installé quelques trucs avec du Kali Linux hein, dans, dans des anciens streams. Je ne sais pas si vous vous rappelez, notamment, j'avais euh, fait joujou avec euh, Greenbone. Hein. Euh, mince, comment ça s'appelait euh, Le truc de chez Greenbone, c'était. Euh... Vous savez, le scanner de vulnérabilité, là, euh, GVM. Euh, Greenbone euh, Vulnerability Manager, un truc comme ça. Qui, qui avant avait un autre nom. Que j'oubliais aussi, d'ailleurs, en l'instant. Et pourquoi vous voulez mettre Proxmox dans une VM Alors Max, pour être honnête avec toi, euh, c'est une idée que je pourrais avoir aussi de mettre Proxmox dans des VM. Et pour tester, tout simplement. Parce que tu vois, là, si je me connecte sur mon, mon home lab... Euh, hop. Okay. Euh, si je te fais un petit euh, fast-fetch, tu remarqueras que euh, j'ai euh, 40 threads, j'ai 256 gigs de RAM. Euh, ça peut me permettre par exemple de tester un, euh, un, un cluster de Proxmox. Je pourrais mettre dessus 3, euh, 3 VM Proxmox avec chacune 8 VCPU 32 à 64 GB de RAM et dedans mettre d'autres VM et tester le cluster. Pour apprendre tout simplement. Alors, la Panfiros, merci, belle machine, mais en attendant, ça reste, pro, ça reste du processeur assez ancien. Euh, le E52660V2, c'est un processeur qui doit dater de euh, peut-être 2013 euh, au plus tard, je crois. Et, euh, et de fait, il lui manque quand même certaines instructions un peu récentes, notamment, notamment le jeu d'instructions AVX2. Si je peux faire un LSCPU, je ne sais plus si j'ai la commande. Hop, LSCPU. Tac. Et, euh, hop. et notamment... Ouais, si tu regardes les instructions, euh, bon... Euh, voilà, j'ai la VX, mais il me manque la VX2. Et, euh, et en fait, ça, ça peut devenir handicapant sur certains sujets. Euh, J'ai remarqué deux choses euh, pour les CPU de cette génération-là. Euh, ça veut dire, par exemple, que tu ne peux pas faire tourner la dernière version de Adobe Premiere. Et aussi, tu ne peux pas faire tourner la future RHEL 10. Euh, Ou, de fait, euh, toutes les EL 10 qui sortiront, à moins que. Euh, à moins que les gens de chez, de chez Rocky et Alma décident de, euh, de modifier les instructions de, de compilation, euh, je ne pourrais pas démarrer euh, de Enterprise Linux 10 sur ce, sur ce matériel-là. Et merci beaucoup pour le flow, You. Euh, merci à toi. C'est très gentil. Euh, ça fait mal quand même, mais après, ça reste du matos qu'il y a 10 ans. Et moi, je trouve ça assez chouette. Euh, je trouve ça assez chouette euh, de pouvoir continuer à faire durer du matos. Enfin, euh, bah, dans l'absolu, voilà, euh, Enterprise Linux, 10 passe pas. Bah, voyez, j'ai mis de la, enfin, j'ai mis, j'avais mis bien avant ça de la Fedora. Euh, rien ne m'empêche de décider de mettre une Debian dessus. C'est un peu moins ma tasse de thé, mais dans l'absolu, c'est possible. Euh, ou d'autres distrib. C'est, c'est ça aussi qui fait la, la comment dire, la, la beauté du libre c'est que on a, euh, on a le choix et je dirais même on a l'embarras du choix. Enfin, dans l'absolu. Dans l'absolu, enfin, là ce que je tiens ce que je tiens dans les mains, ça... C'est euh, 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 la génération d'avant. C'est euh, la, la génération d'avant au niveau des Xeon. Donc il euh, C'est. ça c'est les équivalents Core Intel de toute première génération. Les trucs qui sont sortis en 2009-2010. Bah ben, en fait, vous mettez un Linux récent dessus avec un SSD, une carte graphique pas trop, euh, pas trop, dé, pas trop dégueu, ça marche encore. Alors certes, c'est beaucoup moins performant que ce qu'on a aujourd'hui. C'est une maquette des Twin Non, non, pour le coup. Après, bon, euh, cette, cette config-là, honnêtement, il vaut mieux la mettre dans un boîtier un peu, un peu bien aéré. Euh, et c'est le problème, c'est que euh, quand j'ai euh, voulu transformer cette machine en machine d'expérimentation, en la retirant du boîtier du Home Lab, je me suis retrouvé contraint par la place et donc contraint en termes de température. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, que j'ai fait justement bah, le, montage, le montage de PC l'autre fois. Euh, et, euh, et honnêtement, euh, si j'avais pas eu des problèmes de température, ça, ce serait encore dans, euh, dans, la, dans, le, dans la tour de PC d'expérimentation. Euh, même si j'avoue que euh, c'est pas, euh, voilà, pas le truc le plus performant de la Terre, mais euh, ça rend quand même bien des services. Et, et ça, comment dire, ça tourne encore euh, sous, euh, sous un Linux potable. Enfin, un, un, un Linux... J'ai dire tous les Linux sont potables. Euh, ça tourne encore sous Windows 10, mais comme il reste un peu moins d'un an de mise à jour de Windows 10, enfin théoriquement, on peut même installer Windows XP là-dessus. Hein. Théoriquement. Après, euh, je ne suis pas sûr qu'un euh, Windows XP euh, profite des euh, 24 coeurs et euh, potentiellement... Euh, 24 à 87 gigs de RAM potentiellement. Mais, euh, mais voilà. Euh, ma machine perso que j'ai utilisée jusqu'en juin pour le boulot, c'était un i5 de 2012. Deuxième gène. Ouais. Euh, 2012. Euh, alors, 2012, c'était plutôt troisième gène, je crois. Mais, mais bref. Peu importe. Enfin, voilà. Euh. Mais en vrai, en vrai. Euh, c'est vrai que bah, euh, de façon plus sérieuse euh, par rapport à CoolGit qui dit une LFS et aux F des instructions, bah, c'est vrai que euh, une LFS ou une Gen 2 et on optimise pour les instructions qu'on a. Et vous voyez que vu la quantité de flags qu'on a déjà, euh, ne serait-ce que euh, optimiser, euh, optimiser les flags de compilation pour des trucs comme euh, euh, SSE2 ou, une, ou la VX de première gène, c'est déjà pas mal. Portable perso, ThinkPad T420, les specs datent de 2011. Mais moi, c'est pareil. Euh, euh, J'ai encore trois, trois portables perso. Oui, je sais, ça fait trop. Euh, J'en ai deux de 2012 et un de 2017. Et il y, y, y a des fois, limite, je préfère ce 2012 à celui de 2017. <laughs> Donc, euh, et puis bon, ThinkPad aussi, euh, Manu. Euh, tu as choisi le matos qui tient, quoi. Euh, bref, on va avancer un petit peu sur notre, euh, sur notre euh, la base code. Euh... Euh... Tac. Euh, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie du, euh, du Home Lab Debian et on va mettre Home Lab Ubuntu. Tac. Hop là, salut à toi Ribou, j'espère que ça va, j'espère que tu as passé un bon week-end. Allez, euh, on va faire Delian slash Ubuntu. Voilà. Donc ça, ça va être bon. Tac. Euh... Alors, il va nous falloir... Donc maintenant la question, ça va être euh, où est-ce qu'on a euh, une euh, une image cloud de, de Ubuntu. Euh, viens voir par là Firefox. Tu te têtes à prendre un portable Copilot Plus sorti en proc ARM Snapdragon, mais je suis pas sûr du support du Nistro Linux dessus. Et il ne faut pas changer l'adresse Mac euh... Non, parce que... Attends, là, cette variable-là, c'est l'adresse la, MAC du, euh, de la gateway du, euh, du, euh, du lab. Donc celle-ci, il n'y a pas de souci. Par contre, par c'est contre, bien que tu m'en causes parce que euh, j'ai quand même les variables Debian qu'il faut que, euh, que j'ajoute aussi. Euh... Alors, vous allez rire sur la musique. J'ai essayé un truc. Ok. Voilà. On va pouvoir revenir ici. Voilà. Tac. Bon, ça va. C'était toujours du... Euh, du euh, comment dire Du... Euh, du... Euh, mince. Du Music for Streamers, qui est donc copyright free, DMCA free. Mais... Euh, hop mais en fait, il a changé d'album alors que je voulais pas changer d'album. Euh, donc... Tac. Eh, mais non, c'est pas là que je voulais. Hop. Voilà, normalement on est bon. Ça, ça devrait le faire. Et euh, il faut aussi que j'aille copier euh, CloudInit. Tac. Euh, Est-ce qu'on a des choses euh, bah, Les backports, on va peut-être les éviter. Tac. Euh... Ça, je vais quand même le laisser. Les packages, bah, ils auront les mêmes noms. Tac, tac, tac. Ok, donc ça, on est bon. Euh... Et il nous reste à trouver la bonne image de de Ubuntu. Tac. Alors. Est-ce qu'on a des images au format QCO2, machin On veut une 2404 LTS, donc ça va être la noble. Euh, on va prendre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a On a de la MD64, je voudrais un QCO2. Il n'a pas de format QCO2 ah si. Tu 2 EFIGPT. PPC64 risque. bah eh ben, c'était le premier. Hein. Donc a priori c'est celle-là. Noble server cloud img. Tac. Copier le lien. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir la même blague qu'avec Debian Est-ce qu'on va avoir la même blague qu'avec Debian Ah, euh... cool. <laughs> ah, ça tape dur sur Ubuntu ce soir. Euh, normalement, si je fais un petit plan... Il euh, y a une... Une... Ah bah oui, forcément. Euh, forcément, c'est dans... Euh, volume. Hop là. Euh, ça t'aime jamais, c'est sur Ubuntu. Il y en a qui diraient que s'il y a système c'est pas du Linux. Ah oh là là. Euh, donc, donc donc donc. Voyons voir ce que ça donne. Alors... Il me crée... Un cloud init pour euh, Ubuntu, ok. On aura en plus les, les mêmes, euh, ok. Ça c'est cool. Ensuite, on a un disque qui est créé, ok. Il me le crée deux fois. Dragonfly BSD updated in place, bon ça. Ouais, ok, soit. On verra ce que ça donne. Et HomeLab Ubuntu, la VM va être créée tac 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 avec tous ces. Ouais, ok. Bon. Le volume. Parfait. Allez, on y va. Si je fais auto approuve, parce que je vais pas m'embêter. Bientôt, il n'y aura que trois composants en le Linux le kernel, le système et le serveur X. Bah non, pas le serveur X. Il y aura Wayland à la place. Mes serveurs sont dans du VMware et il n'y a pas de NVMe dans la bête disque. Alors attends. Vous utilisez des disques NVMe sur vos serveurs, les admin 6 ici euh, Personnellement, personnellement, je n'ai pas de machine serveur avec du NVMe. Mon matos n'est pas assez récent pour ça. Dans le meilleur des cas, bah, j'ai du, euh, du MSATA, on va dire. Mais euh, j'ai pas de NVMe. Euh, je pourrais peut-être le tenter sur la Zima Blade. Puisque j'ai la carte NVMe, une... j'ai un NVMe qui traîne, mais je suis pas sûr de sa bonne santé. Et Max est en lui-même un OS. <laughs> ça commence bien, ça. Le kernel système d'Emax. Emacs. <laughs> Apply complete. Alors, euh... voyons voir ça. Ah il y a deux. deux j'ai mis deux Ubuntu, ok. Soit. Faudra que je vérifie ça. Ah c'est peut-être parce que j'ai copié-collé les infos de Debian en fait. Donc j'avais dû mettre deux Debian. Donc là, il est en train de me passer... Alors, c'est pas les mises à jour, il doit m'installer des packages, je pense. Il doit m'installer ce que je lui demandais. Ah, mais attends, est-ce qu'il y a un kernel cloud aussi chez, chez Ubuntu Il faudra peut-être que je lire ça, cette info-là. Si ça se trouve... Ah, tiens, il a fail. Il a fail. On va aller voir ce qui s'est passé. Donc, déjà... Déjà, il a réussi à mettre le... Il a réussi à me mettre le, euh, euh... Me mettre le, le login et le mot de passe. Varlog... Et donc, euh, Cloudini, tac, allons-y voir. Tac. Non, il n'en veut pas tac, 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 Alors, qu'est-ce qu'il me dit GPG déjà installé. Ouais, mais bon. Du coup, il l'installe manuellement. OK. OPT okay. Optomi. OK. Soit... Euh, 3072. Ouais. Euh... Alors, qu'est-ce qui me dit Ah, voilà, les packages. Alors, qu'est-ce qui me dit TMUX déjà installé, Curl installé, Rsync, TCP Dump, sudo, Bind9, Vim. Mais il y, y a déjà tout sur Ubuntu. LSOF, Bash Completion, Htop. Tac, tac, tac. Suggested packages. Ok. New packages. Ah oui, APT Transport HTTPS. Ok. Btop. Ah oui, d'accord. GCC 14 bases. Je lis. Ah, attends, j'espère qu'il ne m'installe pas un compilo par défaut, l'enfoiré. Hein. Euh... Tac, tac, tac. Donc ça c'est toute la procédure d'installation. Na running kernel seems to be up to date. Il restart des trucs. Novem a running outdated hypervisor. Na Alors, il ne trouve pas bash. Neofetch bind of dns style Mais attends, mais il m'a dit warning sur cela. Attends, c'est bizarre ça. Pourtant, pourtant ba bash completion, je l'avais. Euh, euh, ah non, là, je suis sur le home lab. Hop. Euh, Cloud init, home lab, Ubuntu, user data. Euh, je t'ai dit bash completion, je t'ai pas dit bash de mémoire. Ouais, c'est ça. Euh, et ensuite, hein, il a pas voulu NeoFetch. Il a pas voulu de NeoFetch et de Bind9. Mais attends, en plus, Bind9DNS Utils, il m'a dit qu'il l'avait déjà installé. Donc, il, euh, il chouine rien, en fait. Non, euh... là, il est déjà installé. Donc, euh, euh, et puis, pareil pour Bash. Voilà, il est installé. Euh... Alors, on refait un APT update juste par acquis de conscience. Euh... APT search, euh, NeoFetch. Bah, il est là en plus, puis il est installé. Voilà. Euh... I fetch c'est quoi ce truc? On va rire. Neo fetch. <rire> un, 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 un jour je vais créer mon propre fetch. Je vais l'appeler Nils Fetch. <laughs> Ou HP Fetch. <laughs> Too small. Ah oh, ouais, ouais, tu me... Which color your choice? Bah, RGB. C'est quoi cette blague Default rainbow, ouais. Pas... Ouais, 65. Ah, il faut écrire le pourcentage. Ça a l'air nul, Ouais, horizontal, safe config, yes. ça pour avoir un truc euh... d'ailleurs en plus il me dit network unknown ouais bah je euh, sais bien hein. j'ai euh, les infos de base hein, euh... oh non oh non oh vous allez rire enfin vous allez rire. non vous allez pas rire euh... je sais pas si vous avez entendu le petit bip le, le, le petit bip il dit que le boulot vient d'appeler de, vient de, Et qu'il euh, qu va falloir que j'y retourne Ouais c'est ça, astreinte euh, Bah écoutez, euh, comme je sais pas pour combien de temps je vais en avoir Ouais bah je te le fais pas dire petit Pandaru euh, Je pense que je vais, euh, je vais en rester là pour, euh, pour aujourd'hui on, au on aura au moins fait Ubuntu rapidement Je vais, euh, je vais, juste, euh, je vais juste faire un petit... Euh, un petit... Euh, comment dire si je vous fais un petit... Euh... Alors... Euh, si je fais un petit git status... Hop, va sauver le monde de ta boîte. Ouais, ça va être ça. Euh... Allez, euh, g, g Oups. Hop. Euh, GPF. Tac. Donc, comme ça, ça part dans la branche tout de suite. Hein, comme ça, on ne s'embête pas. C'est euh, commité, c'est pushé, c'est sur GitHub. Et euh, moi, je vous dis... Euh, bah, je, je pense que je vais pas revenir. Honnêtement, je, je vais pas me prendre la tête à essayer de revenir. Donc tant pis, bah, ça aura été euh, un stream maudit. Ce sont des choses qui arrivent. Du coup, bah, je vous souhaite une bonne fin de week-end. J'espère, j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. Je serai pas d'astreinte à 19h pile. J'espère que c'était un faux positif. Non, c'était pas un faux positif. C'est pas un po faux positif. Donc je vais y aller. Allez, à bientôt. Et puis rendez-vous bah, sur Twitch ou sur YouTube, euh, ou en tout cas sur, euh, sur Twitch euh, dimanche prochain. <laughs> Ciao, ciao.